Yeah, salut, donc on se retrouve pour l'épisode 16 du Je coup. vois Alors Hawk. voilà, petite animation, je vois Sinon, il va faire des boulettes aux herbes avec vos Je amis. Veux que tout le monde sache, qui que vous soyez, que ceux qui aident la bande de sauvages dans la forêt finiront comme nos amis ici. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Allez, courez. Oh shit, ça c'est méchant. Il y a un type en rayure rouge. Oh fuck. Merci, bonsoir. Amusez-vous bien. C'est notre homme. Occupez-vous de son extraction. Vous êtes fou? Il détient la liste d'expédition qui vous conduira jusqu'à Oliver Cardwell. Elle est cryptée, mais je la décollerai si vous m'en envoyez une photo. What the fuck? Faut que j'aille chercher ce mec. Alors qu'il se fait tirer dessus par tout le monde. Ok, ça va, il me demande pas trop. Bah zut, je t'aurais pas cru, c'est bien du coup. Allez, je peux les... Non, ok, je peux même pas. Bon, bah je les bute d'ici. Hein. Allez, je suis là, moi aussi, hein. Vous avez affaire à Glock 71. Allez, tu Merde. J'aurais dû y aller plus discrètement, mais au moins comme ça, ils arrêtent de tirer sur le... Bon, par contre, c'est... niveau de précision, c'est pas ça. Hein. Waouh. Allez. Oh, bon, pire. Attends, est-ce que je peux les cibler? Voilà. Là, ça, Non, je peux même pas, ça les cible pas, ça m'énerve. Ouh, je me suis pris une balle. Bon, bref, qu'est-ce que je fais? Je fais le tour, il n'y a rien à prendre ici. Et puis charger, hein. On est comme la cavalerie américaine, sauf que moi j'arrive à l'heure. Parce qu'ils arrivent toujours quand toutes les opérations sont finies, bah moi j'arrive à l'heure. Tu sais. Allez! Boum! Boum! Yo! C'est tellement du bourrinage. Oh. Sécuriser la zone avant que Rongo soit tué. Oh, pas de soucis. Non, moi je veux bien le fouiller par contre. Je veux pas prendre son AK-47, elle est très bien mon arme. Hop, serein usé. Arrêtez de vous droguer. Vous serez peut-être meilleur au combat. Oh merde, je suis con, il y a des mines. Oups, j'avais oublié ça. oui, donc là il y a des mines. Ok, faut que je fasse super gaffe. Au pire, j'y vais en courant. Yeah. Ok. C'est pour ça en fait, les mecs faisaient passer les mecs dans les rizières, dans les... Enfin, à travers les mines. Un peu comme dans Rambo 4, hein, pour ceux qui connaissent peut-être. Hein. C'est... Les références de fou, moi je dis. Oh, des munitions, bonjour. Alors, Rongo, ça va bien? Tiens, je te... interagis. L'agent Wilson Clay m'a demandé de vous extraire. Il dit que vous pouvez m'aider à trouver un de mes amis. Avant, dites-moi où est Oliver. Non, je dois d'abord aller au village. Je vous le dirai ensuite. Oh putain, il doit aller au village, ok, suivez-moi. Suivez-moi. Soyons fous. Allez, je te suis, mais pas de bêtises. Hein. Mais fais gaffe, parce qu'il y a des mines. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ils sont stupides. Allez, il y a du monde là-bas. Allez, crève. Voilà. Lui, pareil. Hop. Alors, faut que je fasse gaffe, par contre, c'est les mines, j'ai pas trop envie de les manger. Ah bah, il a une arme, lui aussi, c'est bien. Au moins, c'est pas un PNJ complètement débile. Comme il y en a dans beaucoup de jeux, pour pas faire trop allusion à Call of Duty ou tout du genre. Oh! Explose! Oh. Zut! Oh, Rango! Ah, ouais, ok, il y a sa barre de vie. Ouais. Bon, je m'en fiche de ma vie, tu sais quoi, je me mets un pansement. Je me mets un pansement, je récupère ma vie. Donc. Hop! Alors, bon, bah, ça farce. Oh! Oh! Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est juste un. Un beau flambage, hein, c'est magnifique, la maison crame. Oh, mais il y a tout qui crame en fait. Ça va devenir problématique. Là. Tout qui explose. Mon dieu. Oh, tiens, bonjour. Hop, il n'y a plus. C'est tellement drôle. Oh mon dieu. Gros psychopathe. Enfin bref, c'est très rigolo tout ça. Allez, tiens aussi, à toi, portant là. Boum. Fais gaffe, Rango, moi je fais tout péter. Hop. Alors lui il est mort, ça s'enchaîne. Oh bah c'est bien, c'est facile. Bon, en même temps je suis en facile je crois en même temps. Moi je sais plus. Enfin bref, mourir. Je vais chercher les documents. Fais gaffe mec, ça brûle quand même. Hein. Ça brûle tout ça. Oh c'est quoi? Oh de la cire. Oh vas-y, on se fait une petite bouffe en attendant mec. Oh des munitions. Munitions. Ok super. Suivez Rango. Vas-y, allez, bouge. Ok, c'est quoi? Il y a un ennemi ici, t'as besoin d'aide, c'est ça? Non, y'a personne en plus. Non, t'as pas cambriolé, voyons. C'est dans la tête le camp. Oh, des mines! Attends. Les mines, c'est quel bouton? Oh la vache, elles me font pas trop confiance en fait, c'est. Protégez-moi pendant que je cherche. Bon, écoute, y'a des mines, c'est parfait. Ouais, mais là, y'a une mine là. Là, y'a des mines, ça m'intéresse moi. Parce que normalement, si elles sont affichées, ils vont dire vous pouvez les ramasser, vous pouvez les placer et tout. Le problème, c'est que je sais toujours pas comment les place. Bon, je peux regarder dans les options.
dans les options du coup les réglages et tout. Ils sont tout foutus par terre. Non, bon pardon. C'est peut-être, je sais plus, c'est peut-être un truc genre V ou je sais pas quoi. Y en a un autre qui m'a repéré ou ça? Ah là, pff, tout simplement. Hop, non. X, ah oh, c'est ça. Ok, donc là, V, zut, il faut... Merde, j'ai foutu le C4. Ah, c'est pas une bonne idée. V encore. C. Merde, c'était quoi? S, C, V, W, c'était X, ok. Et si je rappuie sur X, je récupère mon arme, ok. Je savais plus en fait quel bouton c'était. Donc là, faut que je retienne, c'est X. Oula, je suis là, le point aussi, tu vois. C'est X, du coup, pour prendre le C4. Alors, pour les mines, c'est quoi? Je sais pas. Oui, où qui sont? Coucou. C'est stupide, quoi. Stupide petit hobbit joufflu. Même si c'est pas des hobbits, ils sont pas joufflus, mais c'est des méchants, donc ils sont forcément pas cool. Enfin bref, même si les petits hobbits joufflus sont gentils. Hein? Sans quoi on serait tous morts à cause de ça. Enfin bref, le mec il dit trop de la merde, tu sais, il est en train de se battre. Oh! 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 C'est bien, il y a toutes les maisons qui explosent sauf la nôtre, c'est plutôt cool. Allez, meurs, voilà. Bon, t'as fini de trouver là, c'est bon. Mec, y a pas 50 000 trucs, y a de la bouffe, des déchets et une arme, c'est bon. Enfin non, c'est que de la bouffe et des déchets en fait. Mais justement, c'est... Ils cherchent quand même une liste de documents, hein. Tu vas pas me faire croire que c'est compliqué. Mec, ils vivent pas de grand chose. Allez, boum. Bon, les ennemis sont pas très forts. Venez voir. Vas-y, fais voir. Ça y est, je l'ai. J'ai trouvé la liste d'expédition. Ah, c'est ça. Ouh la vache, c'est une sacrée liste. Oh, heureusement qu'ils ont super. Pas fait très détaillé. Enfin, je vais prendre une photo pour Willis. La photo. Ouais, j'ai pris une photo. C'est totalement illisible par contre, mais bon, j'ai une photo. Oui, ensuite toi tu peux mourir, hein, moi je rentre chez moi. Hop. Willis, vous avez reçu la photo? Les pirates utilisent des codes antédiluviens. Oliver est transféré le long de la vieille route. Vous avez déjà décrypté les coordonnées. Oh fuck. Ok. Donc en fait c'est le clic comme pour tirer. Non attends, oui c'est ça. Clic comme pour tirer pour le lancer. Et t'appuies sur viser en gros pour faire péter. Ok. Ouh, ça vole. Oh, bug. Oh, un point de compétence gagné. Tiens, par contre, j'avais vu un truc protection aux explosions plus 50. Ouais, ça. Diminuer les dégâts dus aux explosions de 50%. Ça peut être assez cool. Le feu, diverses techniques de pilotage pour le véhicule. Ok. Ok, bon, bref. Oh, je brûle. Hoyt Volkler, appuyez sur échappe. J'ai passé des décennies à éplucher le dossier de Hoyt, voilà ce que je sais. Il dirige le plus gros réseau de trafic d'esclaves, de drogue et d'armes du Pacifique Sud et il est à la tête de sa propre armée de mercenaires sanguinaires. Il prétend venir du secteur minier, mais il n'y a aucune preuve. En fait, personne ne sait d'où il vient, pour ce que j'en sais, il pourrait même être colombien ou travailler pour une grosse compagnie pétrolière. Ok. Guide de survie. Très important. Du coup, ouais, par contre, ça m'énerve, je sais pas... Je peux pas le ramasser parce que j'en ai déjà. Je sais que X, c'est le C4. Mais après, le W, c'est pour photo et C, c'est pour s'accroupir. Donc peut-être qu'en restant très longtemps appuyé. Ah ouais, en effet. En restant très longtemps appuyé. Ok. Et là, je dois pouvoir bouger. Eh ouais, pas mal. Donc là, en fait, j'ai quoi? J'ai mes armes. Donc je peux avoir 4 armes. 4 armes, 2 trucs genre mine, C4 et grenade et tout. Ok. Oh bah, c'est plutôt cool en fait. Placer une mine, elle explose quand un ennemi s'en approche. Donc là, normalement, par contre, comme j'ai plus de mission de C4, j'ai automatiquement la mine. Ok. Ok. Hop. Bon, je prends ça. Alors, il faut peut-être que je rentre chez moi, du coup. Enfin, ou je sais pas, ou je fasse je sais pas quoi, en fait. Hop, je regarde juste le timer. On est environ à 10 minutes. Enfin, non, 9 minutes plutôt, mais... Hop. Alors, on fouille. Bon, j'en fouille un au hasard. Oh, une chaîne en or. Bah, tiens, j'ai fouillé le bon, apparemment. Du coup, c'est où mon objectif, après, là? Ouais, Il n'y a pas de distance. Oh zut. C'est embêtant tout ça. Alors dans la maison par contre il y a un truc. Ah ouais, un coffre. Fouiller le conteneur. $38. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, il faudrait que je mine. Ce qui serait cool, ce serait de reprendre toutes les tours de radiodiffusion. Radiodiffusion. Putain, j'ai trop du mal. Boum. Hop. Ah, c'est bon, les deux sont morts? Non. Ah si. Trop rapide. Bon bah comme quoi c'est pas trop difficile d'avoir une voiture dans ce jeu. Hein, messieurs. Attention, on pourra avoir son permis de conduire. Eh bah il suffit d'avoir une mitrailleuse
d'avoir des petits pirates sur son île, et puis bah, vous avez juste à les descendre et vous prenez. Bah, ensuite, vous conduisez comme vous pouvez, voilà, voilà. Et si seulement on pouvait avoir une permis aussi simplement. Ah là là, conduire comme dans GTA, ce serait tellement plus simple. C'est des amis ça? Oh, genre, regardez la voiture là! Attends, je vais passer là, hop, mode 3 rats. Mais regardez ça! Mais c'est trop énorme, je peux le prendre? Oh ouais! Oh mais c'est un buggy. Buggy. Le buggy est un véhicule tout-terrain très rapide utilisé à l'époque pour le loisir par les habitants les plus riches de Rook Island. Puis on les a utilisés pour s'amuser à rouler sur les cadavres des riches. Ces voitures légères sont idéales pour se déplacer rapidement dans les zones les plus accidentées de l'île. Avant c'était horrible, et maintenant on s'en sort pour rouler sur les riches. Enfin bref, c'est bien drôle. Hey, pourquoi il me tire dessus? C'est bon, c'est parce que je vous ai roulé dessus et écrasé que je devais pas forcément m'attaquer. C'est pas grave. Par contre, je joue un peu à contre-sens, je crois. Coucou. Bon, au pire, hein, c'est quoi, on coupe à travers champ. Non, on peut pas. Buggy, tu pourrais imaginer. En fait, il me repère, mais c'est des amis pourtant. Ah oui, d'accord, c'est juste qu'il m'aime pas en fait. C'est un ami qui m'aime pas. Ah bah, dommage. Ok, donc là, je rejoins en fait, j'irai juste un accès routier, bah, je regarde. Et là, je tourne et. Virage de ouf. Yo. Ou pas. Non, mais en fait, ils me poursuivent, mais c'est con parce que c'est mes alliés, je vais pas les buter quand même. Enfin, bref. Si m'embête vraiment, je vais les buter quand même. Donc, sinon, c'est censé être des gens gentils. Tac. Non, c'est très drôle ça, en tout cas. Oh! Vous avez entendu? J'ai cru entendre un. Ce qui veut dire chèvre. Qui dit chèvre? Dit pot de chèvre. Attends. Tu veux me tuer? Tu veux me tuer, hein, c'est ça. Tu veux me tuer, si tu me tires dessus, je te tue. Ok, tu m'as tiré dessus, je te tue. Allez, hein. Non mais vraiment, on vous apprend quoi à l'école? Eh, mais il faut jamais s'attaquer avec le Glock 71 avec seulement deux hommes et des AK-47, quoi. Mais gros barjo, les types. Enfin bref, hein, c'est... Ce sont des petits... Des je sais pas quoi, en plus ils sont nés ici, c'est des rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Et moi, je suis un Américain avec une mitrailleuse. Donc par définition une arme meurtrière. Hop. Bon, non, bah du coup je dois avoir des méga visions. Enfin des visions, mais tu vois je les entends en fait mes visions. Merde, par contre il y a des chiens, ça c'est pas une vision. Méchant chien. Si tu t'approches, te bute. Bon, en plus je vais te buter avant que t'approches. Hop, et il y en a un troisième. Qu'il est caché dans les buissons. Viens toutou. Ah là là, ils sont bêtes ces chiens. Ah là là. Ah non, c'est des dingos. Ouais, c'est trop drôle, des dingos. Non, là, je suis en train de ramasser de l'herbe en fait. Je suis en train de couper des plantes. Ah là, par contre. Oh là là, c'est vraiment exceptionnel quoi. Ah, des pots de dingos. C'est assez énorme ça. Mais j'avais cru entendre une chèvre. Alors, ça se trouve, c'est qu'ils ont tué la chèvre en fait. Il y avait une chèvre et puis ils l'ont tué. C'est méchant. C'est pas très gentil, voyons. Non, moi j'ai des méga visions. Bon, pas. Moi je reprends mon buggy. Youhou! Buggy. Buggy. C'est un petit bug en fait. Un buggy, c'est un petit bug. Hop. Tan. On se la refait à la Indiana Jones. Oups. Là. Je sais, non, à mon avis, parce que j'aurais la flemme en montage, j'aurais pas fait un ralenti là-dessus, mais. Waouh! Excuse-moi, petit chien, je t'avais pas vu. C'est vrai que tu vois que c'est violent, c'est maroquin. Faut que j'aille à droite. C'est quoi ça? Il y a quelque chose ici? On va dire que non. Là, par contre, il y a la tour de radiofusion là-bas. Non. Radiofusion, radiofusion. Ah, j'ai vraiment du mal, c'est pas grave. En fait, je sais pas du tout. Si on dit radiofusion. Non, parce que radiofusion, ce serait bizarre. Radiodiffusion, c'est vraiment mal. Oh, vous allez prendre très cher, vous deux. Oh oui! Plus 20 XP. Ouh là là, là par contre c'est moi qui vais prendre très cher parce que je vois tu vois. Ouh shit. Bonjour. Je suis un homme mort. Non, je crois pas. Non. Toi t'es mort. Même pas. Vous allez tous mourir, bande de pirates. J'avance en mode Call of Duty. Oh là là, ça c'est de la technique. Y en a un autre? Non, c'est tout. Bon, voilà. Voilà, faut pas chercher d'emmerde hein. Le Glock 71 c'est un mec vénère. Hop, bon bah ça c'est fait. Moi j'aime vraiment, j'adore vraiment cette mitraillette par contre. On pourra dire ce que vous voulez. Cette mitraillette est excellente. Mais y'en a encore un. Là-bas, à droite y'en a un. Oh pff, la flamme, passe-temps. Il a qu'à ramasser les cadavres de ses copains. Ça va lui faire un petit passe-temps. Ah bah quoique, tour de radiofusion. Radiodiffusion, enfin bref. Oh, bonjour vous deux. Et boum.
Il est mort? Oui, il est mort. Bon, mais il y a tout le monde qui meurt là. Pff, les mecs, c'est pas sérieux. Tiens, toi aussi, ça. Et toi? Il y en a un autre là-bas. Là. Allez. Du coup, j'ai presque plus de munis là. Ouais, ça peut être pas mal pour faire la transition du coup. Ah bah zut encore. Pff, ils sont combien? Ah, c'est relou quoi. Ils sont où ceux-là? Ils sont où? J'en entends souffrir et tout, mais j'entends des tirs. Oh, là-bas il y a un truc. Une chèvre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh. Alléluia. Bonjour. Ah ouais. Bon ok, c'est sadique, mais enfin quoi, ça fait plein d'épisodes, c'est-à-dire beaucoup, que je le cherche. Carquois simple. Hein, carquois simple. Merde, non, c'est pas ça. Non, zut, ah d'accord, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire. Holster d'armes. C'est aussi une peau de chèvre, ok, je viens d'utiliser la seule peau de chèvre que je trouve, mais j'en ai vu une deuxième. Une deuxième chèvre dans le coin. Là. Où t'es? Revenez ici. Ok. Ouh la vache, il y a une bestiole encore. Ok. Bon, je vais éviter de chercher trop la merde, parce que là, du coup, je me retrouve à tuer tous les animaux de l'île. Oh yes, enfin. Oh, c'est tellement énorme. Oh. Hello. Si tu t'approches de moi, je te bute, hein. Je t'avais prévenu. Oh merde. Ok, non, je croyais que j'avais plus de munitions. Ah bah du coup j'ai presque plus de munitions là-dessus. Mais. Confection. Et holster d'armes, je peux le créer enfin. Et je peux en faire un robuste parce que j'ai deux pots de serre. Et deux qualités dans peau de requin, peut-être pas. Donc là je peux déjà transporter trois armes normalement. Et ouais, c'est ça la classe mon petit. Oh yeah. Oh, ouh la vache. Ok. En fait là il y a un dragon de Komodo qui est en train de poursuivre un je sais pas quoi. Qui y en a un autre qui est en train de bouffer une chèvre. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Non, mais par contre, si t'approches, mec, je te bute. Une balle. Deux balles. Et c'est fini, ok. Pff, ça sert à rien, ces bestioles. C'est trop facile. Dégueu. Mais non, c'est pas dégueulasse. Voyons. Bon, par contre, l'épisode est en train de s'éterniser. Alors, vous savez ce qu'on fait. On se quitte ici et puis on revient juste après, du coup, pour l'épisode 15, 16, 17. Allez, à tout de suite.